Revenez tous. Coucou, bonsoir. Est-ce que vous me voyez bien? Je suis excité. Je suis content. J'essaie de trouver Hakim, mais Hakim n'est pas là. Hakim, où es-tu? Est-ce qu'il a oublié? Non. C'est impossible qu'il ait oublié. Oh, vous vous rendez compte que potentiellement il avait oublié. Comment j'ai pu croire ça de lui une seule seconde? Je suis un malade mental. C'est la dernière séance, les amis, avec Hakim Comment tu aujourd'hui. veux que j'oublie alors que c'est la dernière? Je sais pas ce qui m'a pris. C'est Que des fois, impossible. dans la panique, on en vient à penser des choses qui n'ont aucun sens. Mais non, t'inquiète pas. Ça va? Ça va bien et toi? Tu vas bien, tranquille? Écoute, je suis bien, je suis content. Comme je vous le disais, c'est la dernière séance avec Hakim comme ça. Donc déjà, merci à tous, merci à toutes, merci à Hakim pour tout ça. Je le redirai toute la séance. Dans les prochains jours, on se fera un dernier live juste avec Carlito. Carlito et moi, on a une petite idée derrière la tête pour en plus ramasser des dons pour une association. On vous en reparlera aussi, mais tenez-vous informés. Mais là, c'est la dernière, Hakim. Qu'est-ce que tu m'as prévu? Il y a Maxence qui est là. Il y a Maxence Ok. qui est là. Maxence est triste. Maxence, il va devoir se Pourquoi? prendre en coaching. En fait, alors je rappelle les entre guillemets les news qui ne sont pas des news complètes parce que je vais donner beaucoup plus d'informations mercredi. Mais effectivement, c'est le dernier live aujourd'hui, live Instagram ouvert à tous, Comme on a fait pendant tout le comme on a confinement. fait pendant tout le confinement. Et la chose qui va changer, c'est que à partir de mercredi, je vous donnerai beaucoup plus d'informations sur deux choses. Des lives qui vont toujours être proposés sur un format différent. C'est pour ça que je ne sais pas encore comment Donc je vais ça, le sur le compte de la source. sur le compte voilà, sur le compte de la source. Est-ce que ça sera via Zoom? Est-ce que tu vois une application Zoom? Est-ce que ce sera Ouais. par Insta? Bref, pour proposer à tout le monde en France et toutes les personnes qui nous ont suivis de continuer à se bouger les fesses. Et deuxième chose, nouveauté, proposer des bootcamps sur Paris. Ouais. 9 personnes et plusieurs bootcamps par semaine. Là aussi, je suis en train de réfléchir parce que vous me connaissez, j'ai pas envie de faire les choses à moitié, j'ai envie de faire un truc qui soit Ouais, bien sûr. un. On a perdu Hakim là. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai pas donné beaucoup plus d'infos que ça. Ok. Bon, en Voilà. tout cas, si vous voulez vous tenir informé, vous suivez Hakim, vous suivez la source, vous allez avoir toutes les infos. Il y a Léopold aussi qui est là. Tout le monde est venu pour la dernière. Je suis un peu ému. Mais surtout, qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, au fait, on va se faire un récapitulatif de tout ce mois de confinement. Autrement dit, tu vas partir sur une séance où tu vas avoir un Tabata, un AMRAP, un Fortime, un EMOM et un Death. Mais non. Tu vas avoir les Mais non. cinq dans l'heure. Vache! Donc on va Oh. reprendre toutes les petites. Les schémas de circuit que vous avez pu apprendre et on Oh va essayer de la vache! Fuck! Ça fait mal, hein, ça, les gars. Ça fait très mal. Ça peut être fou, ça. Parce que là, le corps, il peut se raccrocher à rien du tout, là. bah Il a. là en fait tout dépend comment je vais t'orchestrer les choses, tout dépend comment bien évidemment je vais jouer avec le nombre de répétitions ou le temps, mais voilà, on va essayer de faire quelque chose d'accessible, mais aussi qui soit challengeant quand même. Oh, bon, on va le chercher à fond, c'est le dernier là pour tout le monde, même si c'est pas la fin du sport, mais en tout cas de ces sessions-là, on fête cette session comme il faut. Léopold nous dit T'inquiète. le décès est proposé, c'est exactement ça. Le seul avantage que tu vas avoir, c'est de proposer, enfin de choisir ton death. J'ai juste besoin de savoir sur quel type de death t'aimerais partir. Ou alors tu me laisses. Est-ce que ça peut dépendre de la. Est-ce qu'on finit par ça? Ouais, on finit par ça. Est-ce que on peut voir en fond dans la séance, je te dirais juste avant? Parce Allez, que vas-y. j'ai envie de faire un pompe, parce que bah, j'adore ça, évidemment. Mais ça se trouve, si on en a fait beaucoup avant, je te dirais squat, un truc comme ça, tu vois. Ok, ça marche. Alors, regarde, c'est très simple. On va partir sur un échauffement. Ah, d'ailleurs, il y a une chose que j'ai oublié de mettre, c'est mon chrono. Je ne peux absolument rien faire sur mon chrono. Vas-y, vas-y, vas-y. Maxence, il dit c'est notre examen de fin d'année. Oui, Ouais, c'est le grave. bac d'Akil là. C'est le bac, voilà, c'est plutôt le contrôle continu là pour voir si vous avez Oh, vraiment bien ré. Maxence propose un exercice spécial mort. Tu sais Vas-y. lequel c'est? C'est le passito, ça fait un death passito. Oh, il a eu l'erreur Pas mal. sincère, oui! Il est Elle est bien, pas Maxence, mal. là. Ouais, Il est bien. j'aime bien. Allez, Elle Gérard est. nous dit go en chier.
Allez, let's go. Et bien sûr qu'on va avoir de tout aujourd'hui. Ça franchement, ça va. J'ai vraiment envie de te le mettre en burpees, mais vas-y, on va voir. Death burpees. Oh, ouais, death burpees. J'ai vraiment envie de t'en faire un. Bon, on va voir. Ok, bah, on va voir. Il faut pas t'en mettre trois, hein, pour que j'ai du jus. Non, on va essayer de faire ça intelligemment, tu vois. T'inquiète pas. Allez, bon, let's go. On part sur un Tabata vraiment réglo, tranquille, sur un Tabata échauffement. Je te le mets là dans 10 secondes. Comme d'habitude, vous allez partir sur un petit Tabata, jumping jack, pour commencer. Et après, je vous donnerai des indications. Vous êtes prêts? C'est 3, 2, 1, let's go. Bah oui, je sais, c'était notre petite routine. C'était notre moment à nous. Je sais. Bon, on va continuer hein, entre nous, hein, tu sais. Ouais, non, bien sûr. Mais bon, bien sûr. 6 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top. Ok, on break. Excuse-moi, attends, je prends des news parce qu'il y a un arbre qui vient de s'effondrer sur la maison de la voisine. Non. Ah, bah d'accord, ok. Montée de genoux. Ah ouais, avec le vent et tout. Ouais, il y a du vent de ouf ici, là. Ah, punaise. Ça m'était arrivé au début du confinement, l'arbre, il est tombé sur le câble électrique et téléphone. Punaise, ça peut être archi dangereux, ça. Il y a des morts chaque année sur ce petit accident. Hello. Top, tu peux breaker. Ok, tu vas partir sur une montée de genoux unilatérale. Juste un genou, un côté. Mais comment je fais? Là, t'es là, boum, 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 boum. Tu montes juste un côté. C'est bon, tu peux y aller, let's go. Oh, j'ai pas d'équilibre, c'est fou. Parfait, c'est un rythme à trouver. Ok, tu l'as. Perfect. 8 secondes. 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ok, tu peux switcher de jambe. Ça va? Dernier live, les amis, là, profitez-en. Ouais, vraiment. Let's go. J'en ai la larme à l'œil. C'est parti. J'ai calculé, il y a eu 63 lives confondus. Entre vous, moi, enfin, tous les lives que j'ai fait, 63 lives Instagram. Hein. Il y en a plus, il y a eu d'autres lives donnés, mais 3, 2, 1, allez, let's go, c'est parti. Break. J'ai l'impression d'être une majorette. Ouais, on part sur des squats. Ouais. Allez, c'est parti. Parfait. J'ai pas mon repère de temps, décidément. 15 secondes, je vais prendre la pendule. 12 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Ok, sur le prochain, là tu vas être au 6e round. Sur le prochain, tu pars sur des jump squats. Ok. Tranquille, pas besoin d'avoir une amplitude vraiment basse. C'est juste pour faire de la préchauffe. Parfait. 17 secondes. Ok, parfait. Respire bien. 7 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top. Ok, on respire. Il reste 2. Je me suis fait une séance renfo hier aussi. Tu vas partir en pompe. T'as dit quoi? Je me suis fait une séance de renfo hier. T'as fait quoi? Let's go pour les pompes. Hey, la muscu, là. T'as orienté ou sur un groupe musculaire ou t'as bossé de manière générale? Pec, épaules, biceps et abdos. Ok. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ok, le prochain, c'est tap shoulders. Tu peux rester au sol. Ok. 4 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Huit secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et top. Ok. Fin du premier Tabata. Tu pars sur un premier circuit qui est encore une phase de préchauffe. Ensuite, tu vas partir sur un four time qui sera plus qu'une préchauffe. Et après, on attaque sérieusement. Ok. Je t'explique. Le premier circuit, c'est l'AMRAP? Non, le premier circuit, ça va être un four time. Et là, ce que tu vas faire tout de suite, c'est juste, je te montre, tu vas me faire, tu connais le mouvement, la marche de l'ours. Tu vois ce que c'est? Ouais. Tu pars au sol, tu viens marcher ici,
Tu reviens, ouais. À chaque fois que tu as fait la marche de l'ours, directement après, tu pars sur 20 montées de genoux et tu repars ensuite. OK? J'en veux 20 comme ça. Donc, okay. Tu pars aller, retour, 20 montées, aller, retour, 20 montées. Tu me le fais 20 fois. Ensuite, on part sur un fort time et on attaque tout ce que je t'ai annoncé tout à l'heure. OK. On est bon? Vas-y. Allez, c'est parti, let's go. Ça fait partie encore de l'échauffement. Parfait, je te laisse compter sur les 20. Encore une fois, retenez les petits tips comme ça que j'ai pu vous donner durant tout ce mois de confinement. Ne jamais attaquer une séance à froid. Enfin, je veux dire, sans que votre corps soit réellement bien, bien échauffé. N'attaquez pas le plat principal, votre circuit, votre WOD, peu importe comment vous l'appelez, à froid. Toujours préchauffé, mais vraiment plus que préchauffé pour que votre corps puisse encaisser les chocs et que vous effectuez une performance qui soit correcte et entre guillemets sans danger. On est à quoi? 4? OK. Allez, faites comme lui. Vous devez faire 20 inchworm. Vous revenez 20 montées de genoux. Parfait. Allez, on repart. Tu reviens quand sur Paris? Il arrive là, vrai. J'arrive pas à parler là-dedans. Vas-y, vas-y, concentre-toi. On est en train de préparer les tournages et tout. Ok. Mais bon. J'allais vous proposer un truc, mais après, je viens de réfléchir, c'est interdit. J'allais vous dire, venez, on fait un bootcamp à l'extérieur. Grandeur nature, mais on est obligé de faire 9 personnes maximum. Bah oui. Et le problème, c'est que si vous venez, je pense qu'on va être 900, donc ça va être. Ouais. Allez, t'es à combien là? Là, je fais la 9e. Ok, 9e. Allez, vas-y, je compte pour toi aussi. Boum, 10. Je vous rappelle, on est toujours en phase d'échauffement. Échauffement plus. Il doit faire 20 allers-retours, comme vous le voyez sur la marche de l'ours, et ensuite 20 montées de genoux et repartir. À partir de là, je vous laisserai un temps et on partira sur un fort time. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Parfait. 12. On est à 12 sur 20. Faites-le en même temps. Même si vous n'êtes pas synchro sur le nombre de répétitions qu'il effectue, faites-le en même temps. Savoir qu'il y a quelqu'un qui participe à votre séance, c'est toujours plus encourageant que savoir qu'on est tout seul. Allez, courage. Parfait. T'es à combien? 15? 16? Là, je suis à la 16. 16, ok. Il y a le labo d'Elo qui dit pas trop de pompe à Kim. Aujourd'hui, vous en aurez pour tous les goûts. Vraiment. Aujourd'hui, accrochez-vous, vous en aurez pour tous les goûts. Four time, Emom, Amrap et un Death. Allez, courage. D'ailleurs, le labo d'Elo, si tu as une recette de cookies à communiquer, envoie, parce que ce soir c'est cookies à la maison et j'ai envie d'assurer la recette. Et le dernier. Allez, c'est le dernier. Faire les exos tous les jours, c'est bien ou pas? Je vais y répondre. Ça va? On est là. OK. Alors, on respire. On va partir sur un four time très simple, OK, qui reprenne des exercices, j'allais dire très basiques et élémentaires, qui sont, je le note en même temps parce que je vais devoir noter ton temps. Vas-y. 5 burpees, 10 pompes, 15 squats. 5, 10, 15, ok? Sur les mouvements les plus basiques qui existent, entre guillemets. L'idée, okay, c'est que tu vas devoir me le faire sur un four time. C'est-à-dire que je vais te donner un nombre de tours à effectuer
Et le but du jeu, c'est que c'est une course contre la montre. Le temps que tu auras effectué sera ton score. Okay, ok. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez vous mesurer à McFly. Vous pouvez effectivement voir combien de temps vous allez faire, ou du moins savoir si vous avez mis moins de temps ou plus de temps que lui. Ok. Vas-y, parle deux secondes, je vais chercher un truc. J'arrive vite, j'arrive. Pas de souci, pas de souci. Donc, vous allez partir sur un four time. Donc, autrement dit, une course contre la montre de 5 burpees, 10 pompes, 15 squats. 5, 10, 15. Ok. Et le tout. On est là. Vous allez devoir me faire. Alors, attendez que je réfléchisse bien pour ne pas trop non plus vous tuer. Ouais, on va partir sur 7 tours. 7 tours, ok. On va partir sur 7 tours. Ah, ils sont trop mignons. J'ai une recette de cookies. Ok, vas-y, bon. Laisse, c'est toujours. On est bon ? Alors, c'est parti. 7 tours, 4 times, 5 burpees, 10 pompes, 15 squats. Ton score obtenu sera le temps effectué pour faire tout ça. Allez. T'es prêt ? On attaque dans… Jusqu'à… Qu'après que j'éternue, pardon. Dans 10 secondes. 7 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez c'est parti, let's go. 5 burpees, 10 pompes, 15 squats, 7 tours. Je compte ton nombre de tours. Je vais compter aussi tes répétitions, mais si ça bug, au cas où, tiens les comptes avec moi. Ok, allez c'est parti, 10 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ok, 15 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Premier tour, let's go. 5 burpees. Sois stratégique, hein. 7 tours, c'est long quand même. 1. Donc, vas-y de manière constante au début, sans trop faire de pause, et ensuite tu break, tu accélères, pardon. Ok, 10 pompes. Accrochez-vous, faites-le tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus vous le faites vite, plus votre chrono sera mieux. 2, 3, enfin, sera meilleur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deuxième tour effectué. On est à 1 minute 30 sur 2 tours. Allez, let's go. Donc 3 minutes sur 4 tours, il faut que tu essaies de tenir le truc. 2, 3, 4. 5, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à 10 pompes effectuées sur le troisième tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Effectué. Troisième tour. Allez, let's go. Deux burpees. Sur un four time, les pauses sont très, très, très restreintes, très minimes. Il ne faut pas que vous attribuez trop de temps de pause. Le but, c'est de finir le plus vite possible. Cinquième burpees terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ok, allez, 15 squats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quatrième tour terminé, allez, c'est parti, on est à 3 minutes 20 là. C'est-à-dire que t'as 20 secondes de retard, entre guillemets. 1. Enfin, de retard. De retard, c'est ta constante. 2. C'est pas du retard. 3. 4. 5. C'est bien. 1. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cinquième tour, 3, 4, 5e tour terminé. Allez, let's go. Il te reste deux tours. 1, 2. Après, vous allez nous annoncer votre temps. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10, ok. Allez, 15 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Allez, faut accélérer. 5, enfin, du moins ne pas t'arrêter. Let's go. À fond. Chaque seconde compte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 38. Ok. C'est bien. Ça calme direct, hein. Vous voyez comment en 5 minutes et 38 secondes, on peut s'envoyer dans les choux en 2 secondes. Ok. Ok, annoncez-nous votre temps. Pendant ce temps-là, je te prépare le deuxième circuit. Combien, moi? 5.38. Ok, c'est propre. Bon, je vais répondre à la question parce que vous me la posez depuis tout à l'heure, je suis désolé. Faire les mêmes exos tous les jours, c'est bien ou pas? En fait, c'est pas ça qu'il faut se poser comme question. C'est est-ce que effectuer les mêmes entraînements, du moins les mêmes exercices, de manière récurrente, est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que tous les jours, c'est bien? Non. C'est ça la chose. De manière récurrente, oui, c'est bien parce qu'il faut que vous travaillez sur vos faiblesses ou entre guillemets que un exercice, ça doit être effectué plusieurs fois pour travailler la technique, le poids, la charge, tout dépend de votre exercice. Mais tous les jours, il est possible que vous appuyiez trop sur certaines zones de votre corps et du coup, ça pose quelques problèmes. Voilà, j'y ai répondu de manière un petit peu partielle, mais parce que j'ai vu plusieurs fois la question, donc j'y réponds. Ok, on part sur… Ça me fait temps. Exact. On va partir sur un EMOM, ok? Ouais, je réfléchis. 15 minutes. Ah, vache. Ouais. Tu vas me mettre que 3 exercices, toi. On part sur… ouais, justement, j'étais en train de te réfléchir à te mettre que 3 exercices. Mais en fait, en temps normal, j'aurais voulu t'en mettre que 2. Mais je pense que ça va être hardcore pour tout le monde. Donc, je vais t'en mettre 3, mais 3 durs. C'est déjà bien 3, mec. Ouais, non, mais c'est déjà très, très bien. Ok, regarde. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Je te les écris en même temps. Ça, je récupère. Posez-vous, récupérez, buvez un coup. Et tirez-vous, même si vous voulez, pendant la séance, ça marche aussi. Hein. Moi, je le fais. Parfois, si vous avez mal quelque part, ça fait du bien. Ça permet d'enlever l'acidité qui est stockée dans les muscles si vous étirez bien. Boum, boum, boum. Ok, c'est bon, je l'ai. Tu vas partir. Ça, Jérémy Detlow, il est là, il est avec nous. Est-ce qu'il fait la séance? Pas sûr. Qui ça? Jérémy Detlow. Humoriste du web. Ouais, je vois. Et de la scène également. Très bon comédien, drôle et sympa. Grand cœur, très gentil. Ok, regarde. Tu vas partir sur… 4 exercices qui sont apparentés à 3. Je t'explique. Le premier, sur une minute, tu vas avoir une minute pour faire 13 shuttle run. Ouais, ok, putain, ouais.
13. Sur la deuxième minute, tu vas devoir me faire 15 squats plus 10 pompes. Dans la même minute. Oh ben, en fait, tu veux pas me reposer. Tu veux juste que je m'enchaîne la gueule. Et sur la troisième minute, 45 secondes de mountain climber. Vas-y, hein. Okay. Je vais avoir peu de repos là-dedans, mais vas-y, on est parti. Hein. Donc, je répète, vous avez un émum de 15 minutes. Un émum every minute en minute. Vous devez effectuer un exercice en 1 minute. Le temps qu'il vous reste, c'est votre temps de pause. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Première minute, 13 shuttle run. Shuttle run, c'est des allers-retours d'un point A à un point B. Deuxième, dans la même minute, vous devez faire 15 squats plus 10 pompes. Ok, dans la même minute. Et la troisième minute, vous devez effectuer 45 secondes de mountain climber. On est bon ? Allez, on est parti. Alors, c'est parti. 15 minutes. Et on attaque dans 8 secondes. 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, let's go. Arrêtez de dire que c'est trop dur. Testez et réduisez le nombre de… Réduisez les valeurs si ça devient trop compliqué. Il en a 13. Il y a 13 allers-retours. 13. Hakim, on peut avoir un récapitulatif des 63 séances, s'il te plaît. Et là, vous la poussez un peu quand même. 23 secondes. C'est short, hein? Ah, je sais. Je te l'ai mis sur 15 minutes. C'est la dernière. Faut le inaugurer comme il faut. 15 squats et 10 pompes. Okay. Dans 10 secondes. Dans 3 secondes. 2, 1, let's go, c'est parti. Dans la même minute, 15 squats et 10 pompes. Vous pouvez faire à la place de la course des jumping jacks si vous voulez. Dix pompes. Ok. 35 secondes. En vrai, c'est celui-là qui va te, c'est celui-là qui va t'aider. Ok. Il est bien celui-là pour aider. Ouais. Après, ça va être 45 secondes. 45 secondes de mountain climber. Je sais que tu vas me les augmenter au fur et à mesure, cela. Je sais pas. Je vais voir. Parce qu'il y a quand même après un AMRAP et après un DEX. Il y a encore des choses derrière. Ouais, bah oui. 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 45 secondes. Si vous voulez rajouter du poids pour les squats, ouais, vous pouvez. Là, le but, c'est de tenir 45 secondes. Il n'y a pas un nombre. Il faut tenir 45 secondes. Allez, accroche-toi. Dix secondes. À la place des montagnes climbers, vous restez en gainage. Sinon, top, on est bon. À la place des montagnes climbers, sinon, vous pouvez rester en position de gainage. Ça devient trop compliqué. 4 secondes, mon ami. 3, 2, 1. C'est parti, 13 shuttle run. Cet exercice, il brûle tellement. Ouais, je sais, Jérémy. Allez, tenez bon. Accrochez-vous là. Il faut la casser en deux, cette séance-là. C'est la dernière des dernières. Sur Insta, comme ça, pour fêter le déconfinement. Donc, il va falloir tout péter, là. 27 secondes restantes pour terminer ces 13 shuttle run. Merci, Hakim, pour les séances. Avec grand plaisir. Ok, il te reste 17 secondes. Vous devez le faire combien de fois? Vous devez le faire pendant 15 minutes. Chaque exercice, une minute.
Respirez. Hakim, tu vas être fier. 5 jours d'affilée que je fais du sport. Bah voilà, c'est bien, Oli. Là, on est bien. 3, 2, 1. Let's go. C'est parti pour les 15 squats et 10 pompes. Mais Oli, une chose encore mieux que faire 5 jours d'affilée, c'est de faire plusieurs mois et plusieurs semaines d'affilée. Tu vas voir, tu vas kiffer encore plus que 5 séances d'affilée. Je sais, j'en veux toujours plus. Allez, 10 pompes. N'hésitez pas à cracher vos poumons, c'est-à-dire à 33 secondes. En vrai, c'est sur celle-là que tu dois récupérer. Hein. Ah, c'est celle-là que je prends. 23 secondes. Tu vois, c'est celle-là que j'aurais été tenté de t'augmenter, mais pour l'instant, on est bien. 12 secondes. 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Allez, 45 secondes. Là, c'est un travail d'endurance. Ça va brûler un peu les épaules. Essayez de vous concentrer sur vos abdos. Ramenez vos genoux à votre poitrine. Serrez les abdos. On tient bon. 20 secondes écoulées. McFly est une machine. Ouais, c'est une machine. Je lis tous vos messages de remerciement. C'est vraiment cool. J'apprécie énormément. J'ai pu lire un peu tous vos messages sur Insta. Il reste 5 secondes. Le Labo Dello a dit qu'elle payait ses cookies pour le déconfinement. 3, 2, 1, top. Break. Je vous propose d'aller tous sur son compte Instagram, le Labo Dello. Inondez-la de messages. Elle paye sa tournée de cookies. Une parole est une parole. Et t'en offres à McFly pour son cheat meal. Ouais, j'en fais pas trop. 3, 2, 1, let's go. Elle fait des cookies en or. Elle scie en plus. Allez, c'est parti. 13. Là, il parle pas beaucoup parce qu'il est dans son wood, là, McFly. Donc, j'essaye de répondre à vos questions en même temps, de compter pour lui. Il vous reste 8 minutes au total. 8 minutes, c'est-à-dire 8 épreuves. Le Labo Dello, tu payes ta tournée. Inonder, c'est son Insta. Je vais te mettre dans le caca, tu vas voir. Ok, il reste 10 secondes. Quoi ? Bah oui. Mais non. Pardon. Il te reste 20 secondes, pardon. Dans ma tête, j'étais sur le Mountain Climber. 13 secondes, donc c'est bien, t'es dans les tempos. Cinq secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, let's go. Voilà, amplitude, les squats, pareil. Maintenant, vous connaissez la technique. Le dos bien droit, les hanches qui partent vers l'arrière, les talons ancrés dans le sol, flexion des hanches juste en dessous des genoux. Vous connaissez la chanson. 10 pompes. Elle est belle. Oh putain. Allez, accroche-toi. 7 minutes. Le problème, c'est qu'avec le truc d'avant dans les pattes. Avec le shuttle run, tu veux dire dans les pattes, c'est pas pareil. Ouais, je sais. Ouais. 7 secondes. Ok. T'es prêt? Chaud. Alors, let's go, c'est parti. Allez, 45 secondes. Là, vous devez maintenir la position ou alors vous restez en gainage, aucun souci. Mais maintenez une position fixe pendant 45 secondes. Comment je vais faire du sport si demain il n'y a plus de live? Bientôt, si vous habitez sur Paris, je vous proposerai de venir à des bootcamps à l'extérieur. Il vous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1, stop. Bien joué.
Il reste 6 minutes, c'est-à-dire 2 tours. 2 tours au total, 2 tours. Okay. 3 secondes, 2, 1. Allez, c'est parti. On envoie 13 shuttle runs. Si vous ne pouvez pas faire de shuttle run, vous partez sur des jumping jacks. Je vous donne une alternative. Il y a des alternatives pour tous les mouvements, tous, sans exception. 80% des personnes ici n'habitent pas sur Paris. C'est pour ça que je vais vous proposer une solution de live. Bientôt. Allez, courage, il reste 33 secondes. Secondes. 9, 8, non, 7. Non. Je voulais te faire peur. Tu m'entends? Me dis pas que. Non. Ta batterie va couper. Allez. 10 secondes. Je voulais te faire peur juste. Ah, d'accord. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Let's go. Hakim, t'es là, t'es plus là, on a perdu Hakim. Ok. On a perdu Hakim, les gars. Vous êtes toujours là, vous? Hugo qui dit, ça fait plaisir de voir Mathieu aussi concentré. Je suis désolé, dans la séance, j'arrive pas à parler. En même temps, je me tue la gueule. Hakim est parti en plein démonter. Les mountain climbers, merde, il est parti, il a plus de batterie. C'est quoi? On va partir en mountain climber un peu au feeling, ok? Je vais essayer de faire 45 secondes en fonction de ce que je ressens. Je reprends Hakim dans 2 secondes. Allez, c'est reparti. Hakim, je te reprends juste après ça. Ah, ça doit faire 20 secondes là. Allez, reste 10 secondes. Allez, voilà. On va dire que c'est bon. Je vais essayer de tout donner. Parce qu'Hakim est revenu. Je suis une grenouille, moi, nous dit Léopold. Qui est-ce qui me back? On va repartir sur les allers-retours. Ok, vas-y, t'es prêt, il te reste 10 secondes, 9, 8, 7, attends, 6, ouais, 5, 4, 3, 2, 1, allez, c'est parti, let's go. C'est le dernier tour, c'est le dernier tour. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Jumping jack pour ceux qui ne peuvent pas effectuer des shuttle run. 30 secondes restantes. T'es dedans. Je te propose 15 squats et 20 pompes. Ouais, ok. Allez, let's go. Adjugé vendu. 15 squats, 20 pompes. C'est parti, mon ami. Let's go. Merci beaucoup pour tous vos messages. Je vois qu'il y a plein de personnes qui se sont motivées grâce à tous ces lives et cette période, enfin, pendant cette période de confinement. Donc, c'est cool. Ne lâchez pas, le plus important c'est de ne pas lâcher. 20 pompes. Bon. 35 secondes restantes.
27 secondes. Ok, bien joué. Sur la dernière, full mountain climber, c'est-à-dire une minute évidemment. Non-stop. Évidemment. Une minute non-stop de mountain climber. Cette fois-ci, ce ne sera pas 45 secondes. On connaît. Et on attaque dans 13 secondes. Comment ça te connaît? Dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, accrochez-vous. C'est la dernière minute. C'est la dernière minute de cet EMOM. Avant de passer sur un AMRAP. Trente-quatre secondes restantes. Vingt-deux secondes. Dix-sept secondes. Dix secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et top. Ok, bien joué pour cet EMOM. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok. Je m'allonge un peu. Vas-y, allonge-toi, allonge-toi. Ok. Allez, raconte-nous la suite là. Ok, je t'explique. Tu vas devoir me faire 10, 10, 10, 10, 5, 10, 10. Tu vas devoir me faire 10 jumps, en fait 10 sauts, genoux à la poitrine. Tu jumps en ramenant les genoux à la poitrine 10 fois, donc c'est des grands sauts, ok? Hyper dur ça, hyper dur. Je sais que c'est dur. Et 5 marches de l'ours, le maximum de tours en 5 minutes. Ah, juste deux exercices? Deux exercices, maximum de tours, pendant 5 minutes non-stop. Ouais, 5 minutes, faut pas réfléchir, faut y aller à fond tout de suite, quoi. Faut y aller à fond tout de suite, ouais, mais c'est long aussi, 5 minutes quand même, hein. Ah ouais, bah oui, sur deux exercices. Quand t'as deux exercices, Donc, voilà, je répète, il a 10 sauts à faire. Vous jumpez, vous ramenez les genoux à la poitrine, vous faites des vrais sauts. Et 5 allers-retours en marche de l'ours. Maximum de tours en 5 minutes. Votre okay, score, ça sera votre nombre de tours. Maxence a une proposition de jeu de mots pour un death by burpees. Ouais. Il propose rest in burpees. Il propose quoi? Rest in burpees. Rest in peace. Quoi, rest in ah, burpees. Ok. Celle-là, j'ai eu plus du mal à... Désolé, c'est que la vanne ne marche pas assez, mais moi, je l'adorais, Maxence. Rest in burpees. Elle est bien, okay. Elle est bien, elle est très bien. Ouais, parce que rest, moi dans ma tête, ça avait sonné comme la pause, rest. Ah oui, oui. C'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre. J'étais trop dans le jargon sportif. Ok. Il est très bien, Maxence. Vas-y, je vais souffrir. Hein. Alors, c'est parti. On attaque. 5 minutes. Tu dois y aller à fond. Il y a c'est un AMRAP. Il faut donc que tu ailles le plus vite possible. Enfin, faut que tu ailles le plus vite possible, effectivement, pour que tu fasses le maximum de tours possible. Allez. Le truc, il y a deux exercices, ça avance, ça. Ouais. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, ça nique déjà. Ah oui, je t'ai dit, là, t'as mis 30 secondes là. 1, 2, 3. T'as vu? T'as tué, hein? 4, 5, 6, 7. 8, 9 et 10. Allez, let's go. Est-ce qu'il y a une alternative pour les sauts? Faites des squats.
Mais faites-moi des vrais squats. Et ceux qui ont des voisins en dessous, bah déménagez. Allez, c'est parti. Deuxième tour. Je sais. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, la grâce de merde. 5. Au bout d'un moment, personne n'a de grâce sur cet exercice. 6, 7, 8, 9, 10. Il reste 3 minutes et 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça, c'est le troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 5 à le retour. 2 minutes et 40 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, courage. 3, 4, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sauts. 7, 8, 9, 10. Allez, courage. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1 minute et 40 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 minute et 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien. 2. Accroche-toi. 50 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 32 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Top, c'est fini. Bien joué. Ok, on respire. Ça va? 8 tours. C'est pas mal dans 8 tours. C'est bien. Bah, tu t'es pas arrêté une seule fois. C'est sympa. Hein. Les gens demandent une rediffusion du live. Vu que c'est le dernier, celui-là, je le laisserai. Ah, c'est bien, c'est beau. Allez, respire, oxygène. Parce que là, il va falloir que tu remobilises toute l'énergie que tu peux encore avoir. Et on va partir sur un death by burpees. Mais mec, c'est fou, c'est horrible ça. Je sais. Et en plus de ça, je vais faire en sorte de te fixer déjà un palier suffisamment haut dès le début. Les gens, ils nous disent en résultat là, 9, 10, 9, 9, 75.
Comment ça, 9,75? 6 tours et 6 sauts, ok. 10. Ok. Allez, courage. Ah, les sauts avec mon... Mec, avec mon poids de merde, là. T'as vu, c'est dur des sauts, hein. C'est dur quand tu fais 90 kilos. On pense que c'est simple et tout, mais c'est pas si simple. Ramener les genoux à chaque fois. Ramener les genoux à la maison. Pas mal. Bon, best by burpees. Mais non, mais mec. Mais je vais attends, en trois tours, je vais décéder. Ouais, ouais, c'est possible. C'est pour ça que je vais te mettre un temps, enfin, je vais te mettre un. On va se le faire. Oh la vache. Laisse-moi me reposer un peu. Je te laisse te reposer, je réfléchis en même temps. Putain, il y a David Rodriguez qui dit qu'il en a fait 11 de tours. Putain, 11 mec, tours. Bravo David Rodriguez. Si tu t'es donné, putain, tu t'es donné fort. Hein. Sinon, on peut partir sur un... Ouais, on peut partir sur un four time au lieu d'un death. Un four time burpees, autrement dit, je vais Hakim, te donner le... Quoi? On veut le rest by burpees, on veut le jeu de mots. On veut un... Ah ok, ok, non mais parce que c'est peut-être même tout autant, tout aussi dur hein, le four ouais, time. Ouais, mais je sais, mais c'est beau de terminer avec un rest in burpees. Vas-y alors, on reste rest in burpees. Alors, on a eu les meilleurs jeux de mots. On a eu, c'est quoi les jeux de mots qu'on a eu jusqu'à présent? On a eu pompe funèbre. Suicide quoi, pompe funèbre et rest in burpees. Défonce, mec. Ah, et pas mal, pas mal. Drôle. Ok. Alors, on va faire Maxence ça. De faire un petit, propose de faire un petit puzzle, comme tu veux. Non, non, c'est bon. Un rest, un rest by burpees, un rest in burpees, c'est très bien. Ok, vas-y. Ok, tu vas faire, tu vas commencer ton premier, ta première minute. Je vais te la fixer haute quand même. Non, mais oui, mais douce. Doucement, oui, mais oui, bah oui, haute quand même. Oui. Ouais, je te le mets à 10. What? 10. 10 burpees dans la minute. Mais mec, je vais faire 2 minutes. Hein. À toi de voir. 10 burpees la minute, 1 burpees en plus chaque minute, jusqu'à ce que la voilà. Mort s'en suive. Oh, mais mec, ça... je suis désolé hein, si ça va finir en 3 tours, les gars. Ça va finir très vite. Hein. C'est peut-être quelque part aussi le but recherché. C'est aussi pas, le but. Bah oui, là, ça va faire 1 heure de séance bientôt. Non, non, même si on dépasse. Mais c'est surtout aussi pour t'achever, quoi. Oh la vache. Oh. Ah, je suis chaud, hein. Ok, alors c'est chaud. Parti. Attends, laisse-moi boire un tout petit coup, là. Vas-y, bois un petit peu. Maxence, mets-toi en place. Je sais que j'ai très, très mal, celui-là. Ok, 9 secondes. On attaque. 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Il doit faire 10 burpees en une minute. Le temps qui lui reste, c'est son temps de pause. Mais le problème, c'est que je lui rajoute un burpees à chaque minute. Pas mal, Flavie Réal. On n'est pas mort du corona, mais de Hakim. Vingt-neuf secondes, ça va. Ouais, pas de plus. En premier tour, bien sûr. Ouais, premier tour. 11 burpees sur le deuxième. Eucalyptus, le principe, c'est très simple. Je lui donne un nombre de burpees à faire. Chaque minute, je lui augmente son nombre de burpees. Et le but, c'est qu'il tienne le plus longtemps possible. T'es prêt? 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Let's go, c'est parti. Vous pouvez commencer par exemple à 5, hein. Vous pouvez commencer à 7 burpees, à 5, à 13. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, il te reste. vingt-cinq secondes, j'espère que ma batterie elle va pas couper, je sais pas pourquoi mon portable il m'affiche comme quoi il est à 10%.
20 secondes. Treize secondes. 10 secondes. Il doit faire combien de tours? Il doit en faire un maximum jusqu'à qu'il puisse plus assurer ses burpees et rentrer ses burpees dans la minute. Let's go, c'est parti. On part sur 12 burpees. En fait, le jeu s'arrête quand il pourra plus rentrer le nombre de burpees fixé dans la minute. C'est-à-dire qu'il sera hors timing, donc le jeu s'arrête. Vingt-cinq secondes, c'est bien. Là, on va aller à 13 burpees. Huit secondes. T'es chaud quand même, hein. 4 secondes. 3, 2, 1. Let's go. Il doit faire 13 burpees. Vous devez tout simplement rajouter une unité en plus. Un burpees en plus. Allez, courage, c'est le dernier exercice. Vingt-cinq secondes restantes. 20 secondes restantes. Oxygéné, respiré. 14 sur le prochain. Dans 8 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 14 burpees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vas-y le labo d'Elo là, fais-le et tais-toi, 8, 9, 10, faut aller jusqu'à 14, 11, 12, 13, 14, il te reste 15 secondes. Je pense que si tu meurs pas sur celle-là, tu meurs sur la prochaine. 15 burpees dans 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour 15 burpees. C'est potentiellement la dernière ou l'avant-dernière. À toi de décider. 2. Maxence, il a dit, je suis out. 3, 4, 5, 6, allez, accroche-toi, Maxence, accroche-toi. 7, c'est très beau, là, si tu finis sur celle-là. 8, 9, 25 secondes. 10, allez, repars. 11, 12, 13, 14, il te reste 5 secondes, 15, je pense qu'on s'arrête là, non? Time, 15. Tu vas faire plus. Eh ben, c'est très bien, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, franchement, bien joué, hein. Ça fait combien de burpees en tout? Ça te fait. Ça te fait 75 burpees. 75 burpees en 5 minutes. Ça te fait une moyenne de 15 burpees par minute. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle, hein? Elle m'a tué.
suis à la fin, j'en pouvais plus. T'as dit quoi? À la fin, j'en pouvais plus du tout. Ah oui, non, mais à la fin, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est, si tu meurs pas sur celle-là, tu meurs sur celle d'après. Oh la vache. Ok. Hakim. Ouais. Tu connais. C'est le dernier live. On peut Allez, pas se faire le dernier Tabata Abdo, tu connais. Vas-y, on se fait un Tabata Abdo. Oh la vache. Mais avec pause, hein, sinon je pourrais pas tenir là. On va se faire. Alors, on se fait un Tabata banane. Comme ça, tu es en position statique, tu serres les abdos, tu contractes, tu breaks, allez, tu contractes, tu breaks. C'est bien. Allez, let's go. Dès que vous êtes prêts, on part sur un Tabata abdos. On termine. Putain, Maxence, il veut faire un Tabata sans pause. Mais non, il est fou, lui. Après, le truc, c'est qu'il faut, il faut pas parce que ils sont marrants. Je sais pas si Maxence, tu l'as fait, peut-être. Hein. Mais tu sais, trop faire, ça peut être contre-productif aussi. Hein. C'est là où on se blesse, c'est là où on contrôle mal les choses, tu vois. Vas-y, on fait juste un Tabata abdo banane pour terminer, tu connais. Allez, let's go. Attends, c'est mi banane, mi sur le côté pour moi. Ok, ça me va, ça me va. Mi banane, mi teco. On le connaît, c'est le dernier Tabata abdo. Putain, c'est émouvant, les gars. Allez, let's go. Mettez-vous en place, il nous reste 4 minutes pour terminer cette séance en beauté. Et c'est parti maintenant. Dix secondes. Ah, mon chrono, il a déconné un petit peu. C'est pas grave. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et top. Shit. On respire. Ah, je suis là, les gars. C'est le dernier Tabata abdo. 3, 2, 1. C'est parti. Pour rattraper ma connerie sur celui-là, on va faire 30 secondes et non 20. Parce que je t'ai fait démarrer trop tôt. Allez, 20 secondes restantes, 20 Est-ce secondes. Est-ce que tu es en train de me dire que tu nous pénalises pour ta connerie? Exactement, ça a toujours été la règle ici. Putain. Dès que je fais une erreur sur un chrono, un timing, c'est toujours l'élève qui paye. Toujours. 6 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, top pour le deuxième round. Oh shit. 8 rounds de total. Et là, on fait un récap, on fait que des exercices différents d'abdos. Alors, pars sur essuie-glace où tu ramènes. 15 secondes. 7 secondes. 4, 3, 2, 1, top. Ah, sit-up normal là. Sur le, ouais, exactement, sur le prochain sit-up, j'allais te le dire. Allez, c'est parti, let's go. Non, il n'y a pas de live la source après. Il n'y a pas de live la source après, les amis. 10 secondes. 5 secondes. Top. Non. Quatrième round terminé. On fait les pieds en l'air, le... 10 secondes. Sur le prochain, tu lèves. Ah, bah, putain, mais on a les mêmes exercices. Mais mec, on est synchro. Parfait. Essaye de détendre les deux jambes. La position de départ, c'est les jambes tendues au sol, allongées. Trois secondes. Deux. Un. Top. OK. Oh, sur le prochain, tu vas lever juste une jambe. Une jambe, ah ouais, t'es surélevée et tu vas chercher. Ouais. Allez, c'est parti. Comme ça? Ouais, et tu vas chercher. Parfait. Et vas-y. Tu vas chercher ton tibia. Oh là 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 là! Allez, vas-y, ne lâche pas. Je sais que ça fait mal. Trois, deux, un, top! Il nous reste deux rounds. Oh! On fait l'autre jambe? Ouais, l'autre jambe, bien sûr. Allez, c'est parti. Tu peux le faire. Allez, courage. Exact, tu peux le faire. Vas-y. 10 secondes. 5 secondes. 3, 2,
un top. Et le dernier, il faut que tu choisisses le plus dur pour toi. Ah, c'est le runner, là. Alors, vas-y, le in and out. Let's go. Allez, c'est parti maintenant. Parfait. Et tu tiens. 14 secondes. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, oh, oh là là. Bravo. Bravo, putain, bravo. Laissez-moi vous applaudir sur mon avant-bras. Ouais, moi aussi, je vous applaudis. Bravo. Pour la dernière, elle était belle. Oh la vache. Écoutez, c'est incroyable ce qu'on vient de faire. Mec, on s'est fait 2 mois, quasiment, quotidien, ouais. Mec. Avec tout le monde, c'est trop beau, vous étiez très nombreux, nombreuses à chaque fois. Ouais, vraiment. Merci. À partir de maintenant, vous pouvez reprendre une activité normale, enfin pas complètement. Bon déconfinement à tous et à toutes. Allez-y doucement, hein. C'est pas l'occasion d'aller faire la teuf direct, de faire un nawak. On y va doucement. On se laisse une petite semaine ou deux, tranquillement, voir comment ça se passe. Faites bien gaffe quand même. Et surtout, profitez de la dynamique que vous avez eue pendant ce confinement à faire du sport pour continuer, ouais. Surtout. Exactement. Ça ne peut pas continuer avec nous parce que nous, il va falloir qu'on passe à autre chose forcément. Nous, on va reprendre avec Hakim. Mais donc, si ça vous a plu, si tout ça vous a plu, évidemment, contactez Hakim, allez à la source, allez faire les bootcamps. Quand ils pourront les reprendre bien, ils vont vous annoncer ça très bientôt. Et si exact. Vous êtes à Paris, rapprochez-vous de la salle de votre coin. Il y a toujours des coachs, il y a toujours des gens pour vous aider. Et voilà quoi. Si ça vous a plu tout ça, faut pas arrêter. Non, faut surtout pas arrêter. Voilà, on va essayer de trouver une solution pour faire des lives. Je sais pas encore comment, mais c'est vrai qu'on doit reprendre nos activités respectives, donc on a un peu moins de temps et voilà. Et donc on va faire des bootcamps aussi à l'extérieur très très bientôt sur Paris. Donc bien évidemment pour les Parisiens, ceux qui sont chauds, les inscriptions seront bientôt disponibles. Toutes les informations supplémentaires seront bientôt disponibles. Et voilà, gardez surtout la forme. Et sachez qu'en tout cas, moi, pour ma part, je vois tous vos messages de remerciement. Et ça fait vraiment plaisir. Et si on l'a fait, c'était aussi parce que nous, ça nous a fait du bien. Donc voilà, c'était un échange de bons procédés. OK. Donc merci, merci de ouf. Merci encore à Kim pour ta créativité, ta générosité, ta présence, ta motivation. Avec grand plaisir. On fera une dernière séance en live avec Carlito. On sera plus avec Hakim dans les prochains jours, demain ou après-demain, dans ces jeux-là. Peut-être jeudi. Et ce sera une séance spéciale avec des dons récoltés pour une association via Instagram. On vous expliquera tout ça dans les prochains jours. Donc, suivez sur les stories. Suivez la source. Suivez Hakim. Continuez à faire du sport. Portez-vous bien. Faites attention. Sortez de chez vous, mais pas trop. Mettez des masques, des gants, les gestes-barrières, de l'amour, les copains. On se fait au courant la famille. On va voir la famille. On fait bien le ramadan. On mange sainement. Et on évite de tuer les insectes parce que les insectes, ils ont le droit de vivre aussi. Voilà. Je pense que tu as tout résumé là. Vraiment. Tu as tout résumé. C'est le sport qui me monte à la tête. Ouais, c'est je vois fou. Ça. Ok, bon, allez, je suis un peu ému, mine de rien. Mais nous, on s'écrit, tu connais, entre nous. Hein. Ouais, t'inquiète, on continue, on lâche pas vos efforts. C'est que je sois embauché dans le prochain Avenger, donc faut y aller, quoi. Ouais, bah, je sais, t'as, tu l'as dit, donc du coup, tu devais faire une vidéo pour annoncer justement cette nouvelle. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, on verra. Par contre, ce que je vais faire aussi sur Insta, c'est que je vais vous balancer beaucoup plus de plans de séance, ok? Des plans de séance, comme ça vous pouvez les faire de votre côté sans matériel et voilà. Là on vous propose cours sur Paris, cours en live et plans sur séance. C'est pas mal, vous gardez la forme. Merci Maxence aussi et Léopold qui est là souvent et ceux qui sont passés sur le live. Bisous. Il y a mon fils qui va vous dire un petit coucou. Tu dis coucou à tout le monde. Au revoir tout le monde. Je dis merci d'avoir suivi les cours. Regarde les pecs. Regarde les muscles qu'il a, lui. C'est un futur sportif, c'est sûr. Mais t'es mal le dos qu'il a. Il est déjà formé, ça y est. Mister Olympia. Voilà, il vous a dit au revoir. Allez, bisous, merci à tous. Merci à tous. Allez, à tous.